vous m'avez encore fait peur, vous. Bon, on se retrouve dans une nouvelle émission qui s'appelle Les théories à la vitesse 7, que nous allons chaque jour faire une théorie sur un manga ou un jeu. Et c'est avec un manga qu'on va commencer, car les mangas, c'est la vie. Ben quoi, c'est vrai, hein? Pareil, Whiskers. Attends, on va mettre ce petit chat là, comme ça, il va pouvoir commenter. C'est avec Seven Delicious qu'on commence cette vidéo. Allez, déjà... Je vais prendre un exemplaire du manga. Voilà, je vais prendre la, voilà, la couverture du tome 4. Voilà, vous vous faites bien spoiler par une couverture. C'est génial. Voilà. Bon, ceux qui connaissent Seven Deadly Sins, je vais pas expliquer. Bon, par contre, pour ceux qui habitent dans une grotte, autant expliquer quand même. Seven Deadly Sins, c'est un manga qui a vu le jour en 2014. 2013 pour les Japonais. Japonais et qui a eu un animé en 2015. Mais pas, tout le monde dit que c'est une série originale Netflix. Mais non. J'y comprends rien. Vous verrez ça en lisant. Vous verrez ça en regardant l'animé, en lisant le manga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et tout ce que j'ai à dire sur le manga, c'est. Et j'ai deux théories à dire aujourd'hui. Parce que j'aime bien trouver des théories. La première théorie va se baser sur Diane, les Seven Deadly Sins. Pour ceux qui sont mauvais en anglais, Seven Deadly Sins, ça veut dire 7 péchés capitaux. Ce qui paraît bête, parce que y a dans Deadly, il y a Dead, et Dead, ça veut dire mort. Ok, purée, ça m'a énervé. Ok, je m'en vais. Allez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Non, je plaisante, franchement, vous êtes sérieux, là. Donc ça, pour cette théorie, nous allons nous baser sur le personnage Diane. Oui, je sais. Ce personnage, lui, a... quelle particularité? On sait que dans un moment du manga, elle dit qu'elle voudrait être petite. Mais j'ai regardé quelque chose. Déjà, c'est conjugué à l'imparfait, comme déjà... Pas ouf, déjà... Et en plus, j'ai regardé l'expression du visage, on voit vraiment qu'elle a l'impression d'avoir vécu qu'elle était petite. Mais vraiment pendant son enfance, par exemple. Et ouais, vous y avez pas pensé, vous, hein? Ah, c'est parti pour la théorie à la Vegeta 7. En vrai, très simplement, on pourrait dire qu'à 13 ans, les géants grandissent extrêmement vite. Ce serait une adolescence. De l'adolescence des géants. Et à 20 ans, ils sont adultes. Mais ils continuent petit à petit à grandir 10 ans après. Voilà. Bon, c'est à zéro. J'ai zéro argument derrière parce que j'ai vu que les 4 premiers tomes du manga. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai peut-être rien compris au manga en fait. Mais là, de façon théorique, j'ai vraiment des arguments. Belodia sur Naruto. Belodia, c'est un personnage qui. Le héros principal, qui est le chef des Seven Deadly Sins. On parlera du héros des Seven Deadly Sins dans une autre vidéo. Avec DJ Léon à l'accordéon, voilà, c'est la petite blague. Oui, j'adore la musique. Bon, plusieurs bon. Pourquoi? Déjà, on va regarder le comportement, le passé... L'âge et la taille des personnages. Comportement, l'âge, le passé et le contrôle des sentiments. Comportement. Bon, c'est rien dit dessus, leur comportement est complètement identique. D'un côté, tu as quelqu'un qui fait non, avec un côté comme stupide et bien. Et d'un autre, bah, t'as la même chose. Ouais, apparence, j'ai regardé et il y a du taf. Déjà, coupe de cheveux, c'est tellement identique. Couleur de cheveux identique. Et coupe de cheveux un petit peu identique. Bon, vous voyez pas d'image car je suis en boulet en montage. Mais bon, vous aurez qu'à chercher des images sur le net. Vous les comparez, vous faites un petit peu de montage avec Photoshop et vous verrez ce que ça donne.
C'est faux, je n'aide pas du tout. Et du coup, qui sont passés? On sait tous, on n'a jamais vu dans le manga les parents de Melodias, c'est encore moins les parents de Naruto. C'est un petit peu oublié, c'était pas vraiment vivant, les parents de Naruto, ils étaient morts eux. Une seconde, je reviens. Et la réalité est techniquement identique. C'est que ça, c'est fait. Maintenant, attaquons-nous à leur comportement. Leur comportement, parlons-en, c'est les mêmes. Mais revenons à quelque chose. L'âge. Et bah, là, c'est exactement le même. 17 ans. Ouais. Du coup, première chose à dire. Je ne peux, on va. Et dernière chose à dire, les sentiments. Vous savez parler d'un truc qu'on apprend au tome 4 du manga. Du coup, spoiler alert. Veuillez aller veuillez passer de là à Senni s'il n'avait jamais lu le tome 4. Le tome 4 tout entier. Hein. En vrai, à ce qu'il paraît, Melodia des Seven Deadly Sins, c'est tellement corrompu par sa colère, a carrément détruit un pays à lui tout seul. Ouais, il plaisante pas. Et Naruto, lui, quand il était par sa haine, et bah Yakubi qui intervient et lui donne la même puissance. Et c'est pas fini. Mais il y a un truc qui est problématique. Naruto, on voit dans le manga, il boit jamais de bière, de saké, boisson très alcoolisée japonaise. Et pourtant, bah, du côté de Melodias, il prend un bon. Prend un verre acheté à Ikea, une bouteille de bière, il verse et boit un coup. Du coup, la théorie est fichue, même si elle tenait bien ce coup-là. Avant que la vidéo ait fini, je tiens à dire une chose. Faites de la pub pour ma chaîne et en échange. Non seulement vous obtenez un petit esprit de Mythopia, mais en plus, vous aurez le droit à vous proposerez dans les commentaires du Demolition Game de Minecraft un sujet de Demolition, un jeu à faire un Demolition Game. Bon, vous devrez m'informer comment marche le jeu. Et on mettra des règles. Par exemple, je ne veux pas de GTA, de jeux d'horreur et autres, et pas de Mass Effect et autres jeux dans l'espace. Mais ce sera vraiment un Demolition Game que vous pourrez détruire des jeux, et ce sera votre jeu que vous aurez choisi. Bon, évidemment, je peux pas tout choisir, je pourrais en choisir qu'un seul, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Et peut-être qu'il y aura un let's play Crash Bandicoot sur ma chaîne, mais je ne garantis rien. Pourquoi je ne garantis rien? Mais je ne garantis rien. Bon, sur ce, la vidéo est finie. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo. Et si tu veux, lâcher un commentaire pour me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et voilà, moi je te dis à bientôt. Non, à la semaine prochaine. En espérant que... Voilà, c'est cool. Et à bientôt.